Nous voici maintenant dans la suite du tutoriel Discus. Nous allons voir comment poster un commentaire en étant connecté au blog WordPress. Donc vous cliquez ici et vous entrez votre commentaire là. Donc test commentaire en étant connecté à WordPress. Voilà, donc ça c'est votre commentaire. Vous pouvez ajouter une image en cliquant ici, image. Donc vous allez sur votre bureau, votre ordinateur, vous cherchez une image. Vous recherchez une image. Voilà, peu importe PNG, JPG, etc. Donc on vous dit un instant. Hop, et votre image est bien ici. Vous pouvez la supprimer en cliquant sur cette petite croix. Vous pouvez partager sur Facebook ou sur Twitter. Donc si vous cliquez là, vous partagez sur Twitter. Si vous cliquez là, vous partagez sur Facebook. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur commenter en tant que vous. Donc moi c'est Julien. Hop, un instant, on vous dit. Et le commentaire va être posté et partagé sur Twitter et Facebook en même temps. Donc voilà, afficher un commentaire. Donc il y a un commentaire par Julien, WMS professionnel situé sur Perpignan. Donc hop, si vous faites ça, vous dépliez ou vous repliez le commentaire. Et là, test commentaire en étant connecté à WordPress. Il y a bien la petite image, il y a 0 minutes. Modifier, répondre, modérer. Donc si je vais la supprimer. Clique modérer, action, vous pouvez modifier le commentaire, effacer le commentaire, marquer comme spam ou bloquer l'utilisateur. Si vous cliquez sur modifier, vous pouvez modifier le commentaire. Hop, vous voyez, ça recharge. Et hop, ça réintègre le commentaire ici. Vous modifiez, 1, 2, 3, soleil. Et vous cliquez sur enregistrer la modification. Et là, normalement, votre commentaire a été mis à jour. Voilà, vous voyez. Ensuite, vous pouvez répondre en cliquant ici. Donc, les personnes peuvent répondre, vous-même, bon. Voilà. Donc, réponse à Julien, tac, et vous recommencez, et ça sera placé en dessous. Donc, réponse au commentaire. Vous cliquez ici, commentez à l'instant, paf, et votre commentaire, voilà la réponse ici, donc décalé sur la droite par rapport au commentaire original. Et vous pouvez modérer donc tout. Modérer par exemple la réponse, vous la bloquez, vous la marquez, vous l'effacez, hop, donc si vous effacez, elle est bien effacée. Là vous pouvez annuler en cliquant ici, et si vous voulez effacer le commentaire original, vous procédez par la même manière, vous cliquez sur modérer, effacer le commentaire, hop, et hop là, à l'Ajax, ce qui est très pratique, ça recharge pas la page, donc c'est plus rapide, et là, voilà. Donc voilà, c'est fait pour la partie poster un commentaire en étant connecté. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va voir comment poster un commentaire pour les visiteurs non connectés au blog WordPress. Merci, à tout de suite.